On arrive aujourd'hui dans ma cour de récréation personnelle. On s'en fait du motocross à Hightstown. Ça, c'est une journée à moi, de moi, avec beaucoup d'amour. Motocross, ça fait faire le vide d'une façon qu'il n'y a pas grand-chose qui te permet de faire le vide. D'abord, c'est un sport de vitesse, c'est un sport de réflexe. C'est un sport où il faut que tu sois concentré à chaque seconde. Tu es toujours dans le mode survie. Ça fait que tu peux pas commencer à te poser des questions. OK, où est-ce qu'est ma toune dans le palmarès? Pourrais-tu monter quelques positions de plus? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir quelque chose de plus? J'ai-tu vendu assez d'albums? Mes comptes d'hydro sont-ils payés? Tu peux pas commencer à te poser des questions et à réfléchir sur les petits problèmes de la vie de tous les jours. T'es concentré sur les commandes de la machine. Puis t'es en réaction tout le temps. Ça fait que tout l'esprit se libère de toutes les petites considérations quotidiennes. Puis t'es drette dans le moment présent. Puis ça, là, il n'y a pas grand-chose qui te fait faire ça. T'sais, pour ceux qui me connaissent au travers mes clips, au travers ce que je véhicule, les spectacles et tout, là, ben, je suis quelqu'un qui déploie beaucoup d'énergie, puis je bouge beaucoup, puis je pense que ça se traduit au travers un peu tout ce que je fais. Le Super Motocross Monster Energy, c'est vraiment... C'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas de... Le bruit, l'intensité, les courses, les enjeux. Il y a de l'excitation à chaque course, à chaque catégorie. Peu importe s'il y a des favoris, s'il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres, il y a des gens que, bon, on figure que selon toute vraisemblance, devrait gagner. Le motocross, c'est un sport où ce que tout peut arriver. Il peut y avoir n'importe quoi, il peut y avoir des bris mécaniques, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des sorties de piste, il peut y avoir toutes sortes d'événements qui font que à n'importe quelle course donnée, n'importe qui a une chance. C'est un sport qui est spectaculaire avec les sauts, avec les dépassements. C'est quelque chose qui ne se compare pas à rien. Faut être là pour le comprendre. Faut être là. Il y a quoi qui traverse le son de toutes les motos quand ça part, quand la barrière tombe, puis ça part, là, ça vient te frapper dans la poitrine. Il n'y a pas grand-chose qui accote ça.